toute nouvelle vidéo, pardon. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un haul action. Alors, c'est pas le genre de magasin où j'aime trop aller pour tout ce qui est colo, parce que très souvent, j'ai été déçue. Mais cette semaine, les feutres à alcool sont en promo. Comme je colo de plus en plus du Amandine Young et qu'il n'y a rien au recto, j'aime utiliser les feutres action. Donc, je suis allée regarder un petit peu les pattes. Vous voyez, je mets toujours une petite base derrière. Et il me manquait des couleurs. Donc, j'ai voulu aller dans mon action pour compléter tout ça. Donc, j'ai pris tout d'abord les Twin Markers. J'ai pris du rose comme ça. Je sais pas, il m'interpellait, il y avait du rouge, des couleurs rouges comme ça que j'ai pas. Moi j'avais quelques sets, mais j'avais pas tous les sets, j'avais pas pris trop de couleurs chaudes, de rouge, de jaune, d'orange. Donc là, bon, j'avais des roses et des violets, mais je me dis ça peut toujours servir en plus pour la teinte peau d'avoir ces couleurs là. Donc dans mon première action, je suis allée là, mais ils avaient rien. Et je cherchais notamment une teinte de feutre alcool qui, je pense, est pas mal pour les bases. C'est un set de couleurs pastel. Donc là, je me suis dit, super, on a quand même des couleurs qui m'a l'air plutôt claires. Donc ça, je me suis dit, c'est bien, ça fera, il y aura un petit peu tout, du bleu, vous voyez, du violet, du rose, du jaune, du vert. Du coup, j'ai un petit peu tout. Donc là, en ce moment, ils sont à... Si j'arrive à la trouver. Feutre. Je sais pas. Twin Marker. J'en ai pris deux. Ça, c'est pas celui-là parce que j'en ai pris d'autres. Et Léo. Feuille. Tampon creux. Je crois qu'ils sont à 2,99. Mais j'ai... Twin Marker, ouais, 2,99. Donc, pour 12 feutres à alcool, en plus des teintes pastel, c'est ce qu'il me fallait. J'étais contente. Le rose, ça me complétera bien ce que j'avais parce que j'avais pris les couleurs vintage, du vert, du bleu. Et j'avais pris un set de violet. Donc là, pastel plus les roses, on sera bien. Ensuite, j'ai pris d'autres Twin Marker. Ah, je me suis trompée, c'est Aquamarker, vous voyez. Je dis Twin Marker, mais c'était Aquamarker. Bref. Et j'étais persuadée que c'était des Twin Marker, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est des feutres à eau. Et je me suis dit, pareil, pour des petites bases, ça peut être pas mal. Voilà. Je vais tenter. Je vais voir si ça marque pas trop pour faire des bases. Je crois que c'était des teintes... Des teintes, je crois que c'était des feutres à alcool, oui. Oui, bon, bref, voilà. Et j'avais pris des teintes peau. Mais bon, du coup, je suis un peu deg. Je vais voir si ça marque pas trop. En espérant, au pire, voilà, je les aquarellerai pour faire des petites feuilles, des fonds. Vous voyez, ça peut être sympa, peut-être. Voilà, au moins servir tout simplement pour faire... des colos, pas prise de tête. Je vais essayer de refaire des colos mystères, mais c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, à la base, j'étais pas allée pour ça. Et au pire, j'ai filé à mon fils. Hein. C'est pas très très grave. Donc, voilà, moi un peu dégoûtée pour ça, je viens de capter. Ensuite, j'ai trouvé ça. Enfin, hein, j'ai ma petite, mon petit poisson aussi. Donc, le mermaid. Combien il m'a coûté celui-là? Pinceau fond de teint Mermaid, 1,29€. Depuis le temps que j'en voulais un petit. Ah, il est tout doux. Ah ouais, il est trop bien. Je comprends pourquoi les filles, elles font ça tout le temps. Ça fait limite un massage. Donc, j'en voulais un parce que moi, j'en avais, mais les poils n'étaient pas autant serrés. Et du coup, c'est pas terrible pour enlever les petites saletés. Et là, du coup, je suis contente de l'avoir trouvé. Enfin, il n'y en avait pas. Et là, il y en avait dans mon action. Donc, ça, je suis contente. Ensuite, je laisserai le meilleur pour la fin. Hop. Je me suis pris des petits stickers. Alors, ça, je les avais vus dans une dans un haul, mais je sais plus de qui. Mais je sais, c'est une chaîne colo. Je regarde tellement de vidéos que j'oublie
parfois, mais je trouvais ça sympa sur le thème de la peinture, de l'art. C'est sympa, ça va décorer mon petit carnet où je note mes colos. J'en ai pris un sur le café parce que Miss Café, c'était mon petit nom. Oh, ben regardez, un poisson. Il est super mignon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, je suis Miss Café. Et ensuite, j'en ai pris un petit peu sur. Un petit peu printanier, un petit peu tout, je sais pas. Tu vois, il a pas vraiment de thème. Ouais, les printaniers, il y a des asperges. Eux, ils sont déjà dans le printemps, hein, non. Alors, j'avoue que la température aide. Mais voilà. Moi, je dis, il va être sympa. Voilà. Il y avait des petits trucs qui me plaisaient, là. Le petit plateau de fruits. Oh, le pamplemousse, c'est trop beau avec des paillettes. Je les trouve trop beaux, ces trucs. Mais bon. Bref, donc chaque fois j'en prends, j'arrive pas à me raisonner, je trouve ça trop mignon. Donc à chaque fois je prends des petits stickers pour agrémenter mon carnet. J'en ai déjà pas mal. Hein. Mais bon, hein, je fais ça après. Et le petit truc que je suis allée exprès, donc j'ai fait deux actions parce que voilà, c'est les nouveautés. Donc ça, je les ai vues sur une chaîne de scrap. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que je saute dessus et que je les présente parce que je n'utilise pas trop ce matériel. Mais j'ai envie de l'utiliser, vous voyez. Je trouvais que le prix était plutôt pas mal. Je trouve que... Ben, pour l'instant, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir chez Action. En plus, il y a des petites boîtes de rangement. Donc, franchement, ça donne encore plus envie. Donc, à l'intérieur, vous avez 12 tampons. Donc, elles sont thématisées par teinte. Hein. Vous avez les roses, les verts, les bleus, violets et les jaunes. À la base, moi, j'étais allée pour celui-ci et celui-ci. Parce que je fais beaucoup de fonds bleu-violet. C'est vrai que c'est une des teintes que je fais plutôt souvent. Et je m'étais dit que je voulais prendre celui-là. On est un peu... Pour tester si j'arrivais à faire un espèce de fond vieilli avec ce kit-là. Voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les Team Halls. Parce que même moi, j'ai que le kit vieilli, on va dire, et 2-3 teintes à côté. Mais je trouve que c'est pas donné pour le peu que je m'en sers. Donc ça, pour moi, je me suis dit, c'est pas mal. Donc à la base, je m'étais dit, j'avais pris que les deux, en me disant, ben, fond bleu, violet, et essayer de faire un fond vieilli avec celui-là. Puis en plus, il y a le noir dedans, donc j'en ai un peu besoin parce qu'il m'en manque. Et du coup, je me suis dit, ça sera bien. Donc, j'avais pris ces deux kits-là. Après, je me suis dit, ben, tiens, prends le kit vert, parce que pourquoi pas faire des bases un peu comme Zazou fait avec les Team Halls et faire des bases avec. Donc, je me suis dit, prends le vert. Et je me suis dit, bah, tu prends 3 sur 4, prends le dernier. Donc, j'ai pris le dernier et je me suis dit, ça pourra compléter un petit peu les tons violets. Bon, les boîtes, elles sont pas fofolles, hein, c'est pas truc de fou. Mais bon, écoutez-moi, c'est rangé. Je vais pas faire le nuancier parce qu'en fait j'ai pas trop envie de trop les ouvrir parce que ça va de sécher. Donc j'ai cru voir quelque chose mais non. Il me semblait qu'elles avaient leur nom, mais je vois que non. Non. Il me semblait que j'avais vu les numéros au niveau des pads, mais non. Est-ce qu'il s'emboîte? Ah, elle s'emboîte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez pas garder les boîtes pour faire, je sais pas moi, des boîtes d'aquarelle ou quoi, et mettre vos pads l'un sur l'autre, ils s'y rangent. Hop, donc ça, c'est bien. Il y a quand même beaucoup de couleurs bah, très foncées à très claires. Donc ça, c'est bien. Donc, déjà là, on est bien. Quand même, on a un joli panel. Bah, franchement, en plus... Elles sont rangées par un dégradé, parce que là, vous pouvez faire un joli dégradé, là aussi, et là également. Hop. Et puis là aussi, hein, vous avez des tons un peu kaki, un peu vert d'eau, et puis vert un petit peu plus prairie. Là, on a des parmes, des bleus assez classiques. Là, on part sur des bleus gris. Et ici, on a des tons donc orangés, on va dire rouge-orangé, les tons jaunes et les tons gris.
Donc, je pense que je vais essayer de vous faire un petit fond avec ça. Donc, je les ai payés 2 euros. Je vais arriver. 2,69 € les 12. Sachant que il me semble que l'ancienne collection, ceux-là, là, qui se vendait par 4 couleurs, coûtait dans les. Peut-être pas dans les 2 euros, mais genre, on était pas loin de 2 euros, genre 1,99 €. Donc là, pour grosso modo 70 centimes de plus, vous passez de 4 couleurs à 12. Là, vous pouvez faire vraiment un dégradé. Je veux dire, vous prenez qu'une boîte de bleu. Ben, franchement, avec 2,50 €, vous pouvez faire quand même plusieurs fonds et jouer avec plusieurs teintes. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout. Alors que les autres kits qui se vendaient avec les 4 couleurs, je trouvais que c'est quand même assez limité. Et puis là, voilà, je trouve que ça donne envie. Hein. Le fait que ça soit bien rangé dans des petites boîtes comme ça, vous mettez ça dans vos tiroirs, ça ne bouge plus. Vous sortez le kit. Franchement, ça donne vraiment envie. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas sorti de nouveaux tampons pour pouvoir les appliquer. Ça, ce qui est dommage parce que ben, il y avait un tampon qui était sorti qui était plutôt pas mal. Et puis, ils en ont fait un nouveau qui n'était pas terrible. Donc je me dis que qu'il devrait en sortir de nouveau, mais franchement Action, je trouve que là ils se sont plutôt bien bien fait un beau truc, parce que pour 2,50 € vous avez quand même 12 couleurs. Alors déjà qu'avant pour 2 € vous avez 4 couleurs, on était très contente, mais alors là et puis le dégradé de couleurs quoi, vous avez des couleurs très claires à très foncées, donc je vous dis, un kit vous suffit largement. Moi, je me suis dit que bon, voilà, le bleu et le cela là, ça peut être top. Et puis le vert pour faire des bases. Écoutez, j'ai envie de faire des bases dans les Kirby où il y a quand même des grosses zones. Pourquoi ne pas changer avec des bases à l'aquarelle et faire avec ce type de matériel? Et puis en ce moment, j'ai envie de faire des petits colos pas trop prises de tête entre deux colos. Compliqué, c'est plutôt sympa. Donc franchement, je vous les conseille. Personnellement, je les ai trouvés dans mon Action. Pour celles qui sont de ma région, Courtine, elles comprendront. Voilà. Et puis je suis contente, j'ai mon petit pinceau. Hop, voilà. Mes petites mois. Il n'y a que pour les aquamarqueurs hein, que j'ai un peu bugué, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Je vais essayer de faire un nuancé et de voir voilà, si ça marque vraiment beaucoup. Et puis au pire, je ferai que des petites zones. Et puis de toute façon, en ce moment, je me sers pas mal de feutre pour retravailler un petit peu mes dégradés des fois au crayon de couleur par-dessus. Il m'arrive d'en faire, donc je me dis que ça peut toujours servir, écoutez. Puis au pire, je donnerai à mes petits bébés. Ils aiment bien utiliser mes feutres, alors autant qu'ils aient les leurs. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite découverte vous plaira. Comme je vous dis, j'ai pas envie de faire le nuancier parce que j'ai pas envie que mes tampons sèchent. Mais j'ai vu plusieurs chaînes de scrap où la fille faisait le nuancier. Et vraiment, il y a un beau dégradé de couleurs dans ces boîtes. Et puis de toute façon, pour 2,69 €, j'ai envie de vous dire. Vous perdez pas grand chose et c'est un bon moyen de tester un matériel avant d'investir dans des team halls qui coûtent quand même un certain prix. Ça peut être vraiment sympa. Donc je suis super contente de les avoir trouvés parce que je trouve jamais rien dans mes Actions habituellement, mais là oui. Donc écoutez, je vais vous laisser, je vais essayer de vous faire un petit fond, je vais tester un fond vieilli avant avec ces encres là pour voir si c'est c'est faisable, ou un fond galaxie aussi. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse sur ça. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord, give me a sign. A sign. I wanna
be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.